la vie de Christ dans un homme produira les œuvres de Christ. Le Saint-Esprit dans un homme produira un chrétien. Jamais pas. Quand je veux parler au lit, il prend ma bouche. Autre, car chaque sémence. En obéissant à Christ, car le maître les appela bien dîner. Là, ils trouvèrent leur désir, pain et poisson sur le feu. Ils satisfaient les affamés tous les deux. Alléluia! Bien dîner, alléluia. À sa table tous les temps. Et la paix dans la famille. Est-ce que vous êtes dans la joie? Êtes-vous heureux? Voulez-vous le manifester en acclamant? Que Dieu soit loué. Mungu asifiwe. Bonne fête de l'indépendance de notre pays. Karamu mzuri ya uhuru wa nchi yetu. C'est le 30 juin. Et notre pays a 56 ans depuis qu'il a accédé à sa souveraineté nationale. C'est pourquoi c'est un jour, c'est un grand jour pour notre pays. Un jour férié. Et à cette occasion, nous avons voulu nous réjouir ensemble comme enfants de Dieu dans ce concert. C'est un concert religieux. Mais à cette occasion, j'ai voulu
donner une petite exhortation. Na kwa hii pati nilipenda kupatia ono kidogo. C'est pourquoi je vous invite à vous lever. Ndio kwa maana nimealika msimama wima. Nous allons prier. Tutaomba. Dieu notre Père céleste, Dieu tout-puissant, Dieu bien-aimé, Seigneur Jésus-Christ. Nous voici rassemblés cet après-midi dans ta maison, Seigneur. Nous sommes venus nous réjouir, ô Dieu, à l'occasion de cette journée de louanges, à l'occasion de ce concert religieux. Pour notre pays, c'est un grand jour, le jour où ce pays a accédé à sa souveraineté nationale. Nous te prions pour notre pays, nous te prions pour nos dirigeants, Seigneur. Nous croyons que tout pouvoir vient de Dieu. Nous voulons que ce pays soit stable pour que nous sachions bien nous préparer à ce grand événement qui est encore à venir, à l'enlèvement de l'épouse de Jésus-Christ. C'est pour cela que tu nous as envoyé ce message. Et ta parole nous recommande de prier pour tout le monde, de prier pour nos autorités, de prier pour tous ceux-là qui sont élevés en dignité, pour que nous ayons des jours paisibles. C'est pourquoi nous te prions à cette occasion, et prions pour notre pays. Et prions, Seigneur Jésus, pour toutes nos églises sœurs, pour tes serviteurs que tu as appelés au ministère, ceux à qui tu as confié ton troupeau, pour qu'ils soient des auxiliaires du prophète Branham, des répétiteurs fidèles de ce que le messager a dit en ce temps de la fin. Aucun pasteur, aucun évangéliste, aucun docteur, aucun apôtre n'a son propre message aujourd'hui, Seigneur. Nous n'avons qu'un seul message, c'est le message prêché et confirmé par la glorieuse colonne de feu. Message prêché par les prophètes Branham et confirmé par la glorieuse colonne de feu. C'est ce seul message qui nous prépare pour l'enlèvement. C'est dans ce message où il y a aujourd'hui le véritable Saint-Esprit. C'est dans ce message où il y a tout ce dont nous avons besoin, Seigneur. C'est pourquoi, Père, bénis tous tes serviteurs, bénis toutes nos églises sœurs. Malgré les petites divergences des doctrines, nous sommes tous un même peuple croyant le même message. Fais que nous puissions, ô Dieu, marcher dans la communion, nous aimer les uns les autres, que nous puissions prier les uns pour les autres, afin que le royaume de Dieu puisse, ô Dieu, aller toujours de l'avant. Envoie-nous ton onction qui enseigne et qui révèle ta parole, qu'elle soit sur nous et sur tout l'auditoire. Laisse que, ô Dieu, que tous tes enfants qui recevront cette parole, que chacun de nous puisse avoir une expérience personnelle, qu'il y ait un plus dans son expérience chrétienne. Que nous ne puissions pas repartir d'ici comme nous sommes venus, que nous repartions d'ici étant de nouvelles personnes, de nouvelles créatures, ô Dieu. Que tout celui-là qui est venu faible puisse repartir fort. Que celui qui a des problèmes soit consolé. Que celui qui a un besoin, ô Dieu, puisse voir son besoin être exaucé, être satisfait, Seigneur. Nous croyons que tu le feras parce que tu es fidèle. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse. Mungu awabariki. Nous allons prendre notre Bible. Tutachukua Biblia yetu. Et nous lirons là-dedans quatre passages rapidement. Tutasoma maandiko ine katika Biblia yetu. D'abord, nous lisons la promesse de l'âge. Tutaanza kuwa na ahadi ya wakati. Malachi chapitre 4. Malachi ine. Le cinquième et le sixième verset. Mustali wa tano hadi wa sita. Nous lisons. Tumesoma. Voici, je vous enverrai Élie le prophète. Tazameni tamitumia Elia nabii. Avant le jour de l'Éternel. Kabla siku ya Bwana. Avant que le jour de l'Éternel arrive. Kabla siku ya Bwana kuja. Ce jour grand et redoutable. Isiku kubwa na kogobesha. Il ramènera le cœur de père à leurs enfants. Atadusha moyo wa baba kwa watoto. Et le cœur des enfants à leur père. Na moyo wa watoto wa baba kwa watoto wao. De peur que je ne vienne frapper le pays d'Éternel. Isije kupika inchi na laana. Prenons l'évangile de Jean.
Jean chapitre 1er. Nous lisons. Partie du verset 9. Verset 13. Cette lumière était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Elle était dans le monde et le monde a été fait par elle et le monde ne l'a point connu. Elle est venue chez les siens. Et les siens ne l'ont point reçu. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Lesquels sont nés non du sang, si Adamu, ni de la volonté de la chair, mwili, ni de la volonté de l'homme, voilà, mutu, mais de Dieu. Lakini, mungu. Mais vous asseoir, nous allons continuer. Maintenant, nous prenons la première épître de Jean. Sasa, tunachukua, ya kwanza ya 1 Jean chapitre 5. Yohana wa kwanza sura ya 5. Les 5 premiers versets. Tasoma mistari 5 ya kwanza. OK. Nous lisons. Tunasoma. Quiconque croit que Jésus est le Christ, yoyote anaamini kwamba Yesu Kristo ni Kristo, est né de Dieu. Yeye amezaliwa kutoka Mungu. Et quiconque aime celui qui l'a engendré aime aussi celui qui est né de lui. Nous connaissons que nous aimons les enfants de Dieu lorsque nous aimons Dieu et que nous pratiquons ses commandements. Car l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements. Et ses commandements ne sont pas pénibles. Car tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Qui est celui qui a triomphé du monde? Sinon celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu. Enfin, prenons Apocalypse chapitre 3, du 20e au 22e verset. Nous lisons. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône. Comme moi j'ai vaincu et me suis assis avec mon Père sur son trône. Et celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Que le Seigneur Jésus bénisse sa parole. Comme sujet, je me suis inspiré du message « La foi, c'est notre victoire. » Bon, je me suis principalement inspiré de deux messages. « La foi, c'est notre victoire. » Et aussi, « Comment puis-je vaincre ?» Je dis, il y a deux messages. « La foi, c'est notre victoire. » C'est le premier message. Et le deuxième, c'est comment puis-je vaincre? C'est le deuxième message que j'ai pas fait. Et mon sujet,
Na ajili yangu, je l'introduis comme ceci. Naipanga kama hivi. Mais pour être des vainqueurs. Kuzali kwa ili upate kuwa mshindaji. Amen. Amina. Autrement dit, les enfants de Dieu sont nés pour être des vainqueurs. Mukusema kwingine, batoto bangu mazali kwa ili upate kuwa mshindaji. Les chrétiens sont nés pour être des vainqueurs. Amen. Amina. Bien-aimés frères et sœurs, nous savons tous que nous vivons dans les derniers jours. Dans un âge mauvais, dans un âge de péché, nous vivons dans des conditions sodomites. Toujours. Nous voyons le péché partout. Dès que vous sortez sur la route, vous voyez le mal, vous voyez le péché. Il y a de la perversion. Il y a de la sueur. Il y a du péché. Zambie. De la méchanceté. Il y a des guerres et des bruits de guerre. Des terroristes qui tuent les gens. C'est dans le jour dans lequel nous vivons. Amen. Amina. Mais en ce jour mauvais, lakini katika hii masiku mbaya, Dieu a envoyé un puissant message. Mungu anatuma ujumbe ya uwezo. Pour appeler un peuple à sortir. Tu akuita watu moja batoke. À sortir du monde. Kutoka mdunia. À sortir des dénominations. Kutoka madesturi. À sortir des traditions du monde. Kutoka mazebu ya mdunia. Pour entrer en Christ. Tu akuingia mu Kristo. Pour naître de nouveau en Christ. Tu akuzalika mjipya mu Kristo. On n'entre pas en Christ. Abingeke en adhérant à une église seulement. Non. On entre en Christ par la nouvelle naissance. C'est quand vous naissez de nouveau que vous devenez un chrétien. Que vous devenez un enfant de Dieu. Alors ce sont ceux-là qui sont nés de nouveau, qui sont devenus des chrétiens. Ce sont ceux-là qui sont nés pour vaincre. Amen. Amen. Et Jésus, dans chaque âge, a toujours cherché des vainqueurs. Dieu ne manque pas de témoins. Dans chaque âge, rangez un peu ça. Dans chaque âge, dans chaque âge, il a besoin de témoins. Bien-aimés frères et sœurs, comme nous sommes là, je vais poser la question. Qui sont enfants de Dieu ici? Vous le croyez de tout votre cœur? Qui sont chrétiens ici? Que Dieu vous bénisse. Mungu awabariki. Si vous êtes enfant de Dieu, kama wewe ni mwana wa Mungu, si vous êtes chrétien, kama kum Kristo, c'est que vous êtes né de nouveau. Yani unazaliwa jipya. C'était la première doctrine même de Jésus. Il avait dit à Nicodème. Akamwambia Nikodemi. En vérité, je te le dis. Kweli kweli nakwambia. Si un homme n'est né d'eau et d'esprit. Kama mtu azaliko kupitia maji na koro. Il ne peut pas voir le royaume de Dieu. Awezi kuona ufalme wa Mungu. Il ne peut même pas entrer dans le royaume de Dieu. Awezi kuingia hata ufalme wa Mungu. Amen. Amina. Donc vous devez l'être de nouveau. Kumbe, vous devez être un enfant de Dieu. Vous devez être un fils ou une fille de Dieu. Et Dieu ne nous a pas créés. Dieu ne nous a pas créés pour devenir autre chose. Il nous a pas créés pour être des malfaiteurs dans ce monde. Il ne nous a pas créés, vous les filles, pour être des prostituées. Il ne nous a pas créés pour être des ivrognes. Mais il nous a créés. Il nous a envoyés sur la terre pour être des fils et des filles de Dieu. Et manquer cela, si vous n'êtes pas devenu un enfant de Dieu jusqu'à ce jour, comprenez que jusque-là vous avez manqué le but pour lequel Dieu vous a envoyé sur la terre. Amen, amen. Amen. Et quand on a manqué le but, frère Branham me dit, manquer le but, c'est vivre dans le péché. C'est que vous êtes un pécheur. Si vous n'êtes pas enfant de Dieu, vous êtes un pécheur. Amen. Amina. Suivez un peu les prophètes dans le message, la statue d'un homme parfait.
Mufate nabi mujumbe kimo kya mtu kamilifu. Kurasa 12. Frère Manam dit. Ndikuma masema hivi. La voix de Dieu n'a pas numéroté les paragraphes, mais c'est le dernier paragraphe. Amunabi pinye lakini ni kipindi cha mwisho. La page 12. Mukurasa 12. Il dit. Anasema. Il ne nous a jamais fait pour être autre chose. Il parle de Dieu. Il ne nous a jamais fait pour être autre chose qu'un fils ou une fille de Dieu. Si vous avez manqué cela, c'est-à-dire être un fils de Dieu ou être une fille de Dieu, si vous avez manqué cela, vous avez manqué le but. Unakosa shaba. Amen. Amina. Le mot péché signifie manquer le but. Musemo zambi manake kukosa lengo. Manquer le but. Kukosa shaba. Alors, si je tire sur une cible pour faire mouche à 50 mètres, na kama napenda kupiga risasi mumeta makumisina makumisaba. Si je prends mon fusil, kama nachukua silaha, et que je tire, napiga, et que je manque le centre, na kosa kupata katikati, donc la cible que je suis en train de viser, si je manque cela, kile kitu na fukuzia kama minakipusa, que je manque le centre d'une dizaine de centimètres, kama nakosa tu katikati, qu'est-il arrivé? Itakuwa je? C'est que mon fusil a besoin d'un réglage. Yani sila yangu inapenda bele kutenganezwa. C'est que le fusil n'est pas bon. Yani sila aina nzuri. Il faut mzuri. Bien le régler. Inabidi kuitengeneza kidogo. Régler les jumelles. Kuitengeneza kakunea. Pour que je puisse atteindre la cible. Ili nipate tu kupiga risasi fasi yenyewe kwa fusil. Mais si je vise que je rate la cible. Na kama nakosa kinyo na fusil. C'est que le fusil n'est pas bon. Ndio unasema le fusil a besoin d'un réglage. Sila inatafuta kutengenezwa. Amen. Amina. Alors il dit, anasema hivi, il y a quelque chose qui ne va pas. Kuko kitu fulani kiko akendeke. Et si je manque d'avoir foi en Dieu, na kama nakosa kuwa na imani ndani ya Mungu, si je manque d'être chrétien ce soir, kama nakosa kuwa mukristo ijoni, Dieu Mungu place ici anatutia hapa pour être un chrétien. Kwa kuwa wa Kristo. Et si vous filez d'un côté, na kama unaenda pembeni, revenez et passez par un réglage. Rudia na upate kutengenezwa. Vous avez besoin d'être réglé. Unahitaji kutengenezwa. Il n'y a qu'une chose qui peut vous régler. Kuko paka kitu moja kinina kukutengeneza. C'est l'écriture. Ni andiko. C'est le message. Ni ujumbe. C'est le Saint-Esprit dans l'écriture qui vous règle. Ni Roho Mtakatifu ndani ya maandiko mwenye kukutengeneza. Il vous ramène directement sur la cible. Eko na kurudisha paka kushaba. Amen. Amina. Donc on doit être enfant de Dieu. Tunapaswa kuwa wana wa Mungu. Ne nous contentons pas de dire que nous croyons le message. Le dire verbalement. Kuisema tu kwa kinywa. Mais il faut passer par une expérience. Lakini inabidi kupitia tu kwa binafsi. Pour devenir un enfant de Dieu. Ili kwa kuwa mwana wa Mungu. Pour devenir une fille ou un fils de Dieu. Ili uwe binti wa Mungu. Amen. Amina. Frère Branham a parlé des douleurs de l'enfantement. Quand nos mamans vont à la maternité, ça ne se passe pas dans le calme, dans la joie, ce sont des douleurs et des pleurs. Et pour devenir aussi enfant de Dieu, on passe par des douleurs, de l'enfantement. Vous devez vous repentir. Renoncer à votre vieille nature. Car Pierre avait dit, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ. Pour le pardon de ses péchés. Alors vous recevrez le don du Saint-Esprit. C'est quand le Saint-Esprit vient en vous que vous devenez enfant de Dieu. Et là vous êtes né de l'esprit. Na pale unazali kwa toka oro. Et dans chacun, na mkila kizazi, Dieu Mungu a envoyé une part de l'évangile. Alituma sehemu ya injili. Et il a prédestiné des gens qui doivent croire cette part de l'évangile de cet âge. Alitabisha watu wenye walipaswa kuamini ile sehemu ya injili mkile kizazi. Quand Jésus était venu, wakati Yesu alikuja, il était la lumière. Alikuwa nuru. C'est quoi la lumière? Nuru ni nini? La lumière, nuru, c'est la parole de la promesse. Ni neno ya adi. Rendu manifeste. Yenye kurekanishwa wazi.
Quand Dieu avait dit que la lumière soit, wakati Mungu alisema nuru iwe, aussi longtemps que la lumière ne s'était pas manifestée, wakati wote nuru ikonekane, la lumière n'existait pas. Nuru ikukueko. Mais quand la lumière s'est manifestée, wakati nuru yonekana, on a appelé cela la lumière. Bakaita nuru. Et frère Barabu dit, nduko mwana sema, chaque fois que Dieu fait une promesse, kila wakati Mungu anafanya adi, et que la promesse se manifeste, na ile adi naonekanika wazi, cette promesse là, ile adi, c'est la lumière du jour. Ni nuru ya ile siku. Amen, amen. Amina. Amen. Amina. Jésus était la lumière. Yesu alikuwa nuru. Il est venu chez les siens. Nuru ilikuja wake. Les siens ne l'ont pas reconnu. Wake walimkata. Ils ne l'ont pas reconnu. Aba kutambue. Ils ont renié Jésus. Baka mkana Yesu. Mais la Bible dit. Lakini Biblia nasema. Mais à tous ceux-là. Kwa wale wote. Qui l'ont reçu. Wenye wamempokea. Qui ont reconnu la lumière. Wenye wanatambua nuru. Dieu. Mungu. A donné. Anawapatia pouvoir uwezo de devenir ya kuja enfant de Dieu. Wana wa Mungu. Amen. Amina. Amen. Amina. Enfant de Dieu. Wana wa Mungu. Qui ne sont pas nés de la volonté d'un homme. Benya bazaliko kupitia mapenzi ya mtu. De la volonté de la chair. Kupitia mapenzi ya mwili. Mais Dieu lui-même. Lakini kupitia mapenzi ya Mungu peke yake. Alors tout celui-là qui croit la parole de son âge. Yule yote anaamini neno la kizazi chake. Il accepte. Eko na kubali. Voilà un enfant de lumière. Oneni mwana wa nuru. Amen. Amina. Et dans cet art. Na mwiki kizazi. Dieu avait promis. Mungu anadia. Que vers le soir la lumière. Ya kwamba wakati ya jioni nuru itaonekana. Il y a des promesses qui devraient s'accomplir dans ce temps de la fin. Kuko maadi ambayo ilipaswa kutimizika mwiyo wakati ya mwisho. Et laissez-moi vous dire que beaucoup de ces promesses se sont déjà accomplies. Mwenyeachie nimeambia kwamba nyingi ya maima adi lisa kutimizika. Et nous vivons dans la lumière. Na tuku naishi katika nuru. Il était dit je vous enverrai Élie le prophète. Ilisema nitamtumia Elia nabii. Avant que le jour de l'Éternel arrive. Mbele siku ya Bwana kuja. Ce jour grand et redoutable. Isi kukubwa na kuogopesha. Est-ce Élie est-il déjà venu? Eti Eli alishakuja? Oui. Ndio. Eli est venu. Eli alishakuja. Il a porté un message. Alileta ujumbe. Et Dieu l'a retiré de la scène. Na Mungu alishakumondosha kiwanzani. Ce message c'est la lumière qui éclaire le monde aujourd'hui. Hii ujumbe ndio nuru yenye kuangazia ulimwengu leo. Et ceux qui croient ce message. Na wale wenye kuamini hii ujumbe. Qui naissent de nouveau dans ce message. Benye wanazaliko jipya mu hii ujumbe. Ils sont appelés enfants de Dieu. Wameitwa wana wa Mungu. Ils sont appelés enfants de la lumière. Wameitwa wana wa nuru. Ils sont appelés enfants de la promesse. Wameitwa wana wa ahadi. Parce que dans Malachi 4, kwa sababu Malachi 4 était dit, alisemwa, c'est Dieu qui avait promis, Mungu ndio aliadia, je vous enverrai Élie le prophète. Nitamitumia Elia nabii. C'est Dieu qui a envoyé le prophète. Mungu ndio alimtuma nabii. Avant que le jour de l'Éternel arrive. Kabla siku ya Bwana kuja. Le jour grand et redoutable. Hii siku kubwa na kuogopesha. Il ramènera. Atarudisha. Le cœur des enfants. Moyo wa watoto. Au père apostolique. Kwa baba yao wa mitume. Voilà la mission d'Élie. Oneni kazi ya Elia. Est-ce que nous avons les enfants qui ont été ramenés ici? Tuko na watoto wenye kurudishwa mioyo hapa. Nous sommes enfants de lumière. Sisi ni watoto wa nuru. Amen. Amina. Tous ceux-là qui se réclament de Dieu ne sont pas toujours enfants de Dieu. Bote benye kujita ba Mungu, abana tu batoto ba Mungu. Et enfant de Dieu, celui qui est un enfant selon la promesse. Kuwa mwana wa Mungu ni yule mwenye kuzaliko kupitia adi. Amen. Amina. Amen. Amina. Est-ce que je peux entendre un très grand amen? Nawezi kuelewa amina kubwa. Les enfants de lumière. Wana wa nuru. Ce sont les enfants de la promesse. Ni batoto ba adi. Est-ce que je suis en présence des enfants de Malachi 4? Eti niko kumbele kwa watoto wa Malachi 4? Si vous croyez que vous êtes enfant de Malachi 4, poussez de grands amen. Kama unaamini kwamba wewe ni mtoto wa Malachi 4, toa amina kubwa. Poussez de grands cris de joie. Toa malalamiko kubwa ya furaha. Dit alléluia. Sema alléluia. Voulez-vous confesser par votre propre bouche et dire je suis enfant de Malachi 4? Unaweza kukiri kupitia kinywa chako niko mtoto wa Malachi 4? Je suis un enfant de la promesse. Mimi ni mwana wa ahadi. Amen. Amina. Je vais prendre un exemple dans la Bible. Nitachukua mfano katika Biblia. Pour montrer que tous ceux-là qui se réclament être des chrétiens ne sont pas enfants de Dieu parce qu'ils ne sont pas enfants de la promesse. Dieu kumeonesha kwamba wote wenye kujiita wana wa Mungu, hawana wana wa Mungu kwa sababu wana wa ahadi.
Vous savez que Dieu avait fait une promesse à Abraham, notre père dans la foi. Quelle était la promesse? Que Sarah devait lui donner un enfant, n'est-ce pas? Sarah était stérile. Ils ont vécu pendant beaucoup d'années. Quand Dieu les rencontre, Sarah avait 65 ans. Sarah Abraham 75. Ibrahim a fait la promesse. Ils ont commencé à attendre. Il s'est passé encore 25. Avant d'avoir l'enfant, le fils promis, Sarah s'est impatientée. Sarah a cavomilé. Non, nous sommes vieux. Nous sommes devenus des vieux. Tu peux peut-être prendre ma servante ici, ma bonne ici. Agar. Agar. Qui est encore jeune. Tu peux la prendre. Et avoir l'enfant de la mère. Mais la promesse était que par Sarah. Ah, il dit seulement comme copie à Sarah. Amen. Amina. Ce qui est impossible aux hommes est possible. Qui l'a cru? C'est qu'un écumbel à watu, il n'a c'est qu'un écumbel à mungu. L'enfant est né. Il est muto ta kazali quoi? C'était Ismaël. Il est quoi ni Ismaëli? Mais Dieu avait dit. À qui le mungu l'estima? Par Sarah tu auras un fils. Copie à Sarah, ou t'as pas qu'un à qui humain? Abraham a attendu. Ibrahim Kagomea, et finalement, Mishayo, il a eu cet enfant de la promesse. Quel est le nom de cet enfant? C'était Isaac. Isaac a grandi. Isaac Kagomea, il grandissait, Ismaël grandissait. Ismaël grandissait aussi. Isaac grandissait aussi. Quand Isaac a atteint un certain âge, entre 12 et 13 ans, y a-t-il des enfants de 12 ans ici, de 13 Kuko ans? Kuko watoto yakuwa na umri ya miaka 12 au 13 hapa. Watoto wa miaka 12 au 13 hapa. Levez-vous. Simameni kwa, simameni mbele. Un enfant de 12 ans ou de 13 Mtoto wa miaka 12. Voilà, très bien. Un autre. Mwingine. Levez-vous, je vais voir. Simameni nitaona. Voyez la taille de cet enfant là, voilà. Angalieni umri ya miaka ya yule mtoto. Mungu akubariki. Ndio vile Isaac alikuwa. Et dans la Bible au chapitre 22, dans Genèse chapitre 22, Dieu met Abraham à l'épreuve. Mungu anamujaribu Ibrahimu. Après ces choses, Dieu met Abraham à l'épreuve. Mungu akamujaribu Ibrahimu. Il lui dit, anamwambia, Abraham. Ibrahim. Il répondit, akamdibu, mais voici. Niko Dieu apa. Dit, Mungu anasema, prends ton fils. Chukua mwanako. Ton unique. Yule mwanako aupeke. Celui que tu aimes. Mwenye unampenda sana. Isaka. Va-t'en au pays de Morija. Wende kuincha Morija. Et là, offre-le en holocauste. Na kule upate kumtolea mazabahu. Sur une des montagnes que je te dirai. Pamoja mulima nitakwambia. Vous avez suivi? Unafata? Alors qu'Abraham avait deux enfants. Tiapu, Ibrahim alikuwa na watoto wawili. Mais Dieu lui dit. Lakini Mungu anamwambia. Prends ton fils. Chukua mwanako. Ton unique. Yule mwanako aupeke. Quand on dit unique, ça veut dire quoi? Bakisema mwana aupeke ni kusema nini? Hein? Unique, ça veut dire il n'y a pas un autre. Mwana aupeke, manake ni kusema kuna mwingine. C'est que pour Dieu, ya ndio ya Mungu, c'est Isaac qui était l'enfant d'Abraham. Isaac ndio alikuwa mwana wa Ibrahimu. Pourquoi? Dieu a nini? Parce qu'il était né selon la kwa sababu alizaliko kufatana na adi. Aujourd'hui, leo, pour Dieu, Dieu ya Mungu, sont les enfants de Dieu aujourd'hui, bale tu batoto wa Mungu, ceux qui sont nés selon la promesse. Ni paka bale benye kuzaliko kulingana na la adi. La promesse de l'âge. Adi ya wakati. Ceux qui sont nés d'après Malachi 4. Bale bamezaliko kupitia Malachi 4. Ceux qui sont nés selon Luc 17:30. Bale bamezaliko kulingana na Luka 17:13. Ceux qui sont nés selon Zacharie 14. Bale bamezaliko kupitia Zacharie 14. Ceux qui sont nés selon Acte 2. Bale bamezaliko kupitia tu Mitendo ya Mitume 2. Ceux qui sont nés selon Joël 2. Bale bamezaliko kupitia Joël 2. Les enfants de la promesse sont ceux-là qu'on appelle enfants de Dieu. Suivez comment Paul dit ici. Est-ce que vous aimez la Bible? Je voudrais d'abord montrer qui sont enfants de Dieu. Ce sont les enfants de la promesse. Et ce ne sont que ceux-là qui peuvent vaincre. Prenons dans la Bible Romains 9. Tu connais la Bible, Romains 9.
Suivez. Sikilizeni. Je vais lire deux passages. D'abord Romains et puis Galates. Romains 9, il est dit ici. Wa Roma 9 nasema hivi. À partir du verset 6. Kwanzia mstari wa 6. Ce n'est point dire que la parole de Dieu soit restée sans effet. Si kwamba neno la Mungu libakia bila tendo. Tous ceux qui descendent d'Israël ne sont pas Israël. Kwa sababu bote banakuja kupitia Israël yabana ba Israël. Bien qu'ils soient la postérité d'Abraham. Hata vile bwana uzao wa Ibrahim. Ils ne sont pas tous ses enfants. Bote abana batoto ba Ibrahim. Mais il est dit. Lakini yamesemwa. En Isaac. Ndani ya Isaka. Il y aura une postérité appelée de ton nom. Kutakuwa uzao wenye kuitwa mjina lako. C'est-à-dire yani, que ce ne sont pas les enfants de la chair abana batoto kupitia mwili, qui sont enfants de Dieu. Benyakuwa bana ba Mungu. Mais que ce sont les enfants de la promesse lakini ni bana ba adi, qui sont regardés comme la postérité. Benye banangalishwa sawa batoto mpaka uzalo. Voici en effet la parole de la promesse. Oneni hivi neno ya adi. Je viendrai à cette même époque. Utakuja mwiki kizazi moja moja. Na Sara atampokea mtoto wa kiume. Amen. Amina. Qui sont enfants de Dieu? Banani beko batoto ba Mungu. Ce sont les enfants de la ni promesse. Batoto ba adi. Pas de la chair. Hana kupitia mwili. De la promesse. Batoto ba adi. Amen. Amina. Amen. Amina. Bon, pour gagner du temps, parce que je vais vous laisser le temps de louer le Seigneur. Alors, ces enfants de la promesse. Ah, bah, tout, bah, adi, tout celui-là qui est né de l'Esprit de Dieu. Qui a cru le message pour son temps. C'est celui-là qui est né pour être un vainqueur. Vaincre même c'est quoi? Kushinda kwenye ni nini? Vaincre, kushinda, c'est connaître toutes les tactiques de l'ennemi. Ni kutambua mitindo zote ya ibilisi. Vaincre, c'est passer le test. Kushinda, ni kupitia tu kukipimo. Amen. Amina. Et aujourd'hui, na leo, notre ennemi le diable, aduiwe ibilisi, est descendu sur cette terre. Anashuka pa dunia hapa. Animé d'une très grande colère. Mwenye kushiko na kashirani kubwa. Il sait qu'il n'a plus de temps. Anaona kuna muda tena. Il a ses tactiques. Iko na mitindo yake. Amen. Amina. Il prend des femmes. Iko na chukua wanawake. Il les pervertit. Anawavurugwa. Il est entré dans la mode. Akani atinga mwasasa. Les femmes s'habillent. Wanawake kuna pa mubaya. Il est entré dans la télévision. Akengia mu télévision. Le programme de télévision. Mipangio ya télévision. Il est entré à l'internet. Akengia tu ku internet. Dans des téléphones. Mu masimu ya mikono. Ce sont les tactiques du diable. Ile ni mitindo ya ibilisi. Si toutes ces choses ne sont pas utilisées pour la gloire de Dieu, ce sont des instruments pour l'enfer. Kama bato batumia bibitu byote juu ya tukufu ya Mungu ni vyombo vya gehena. Amen. Amina. Vous êtes là. Uko pale. Qu'est-ce que vous regardez à la télé? Unangalia kitu kani ku television. Qu'est-ce que vous regardez à l'internet? Unangalia nini ku internet? Vous n'êtes fait que chatter. Uko paka naandika. Qu'est-ce que vous vous dites au téléphone? Unamianaka bitu kani ku simu. Les gens sont endormis, qu'est-ce que vous? Batu balisha kulala mnaambia bitu kani? Le téléphone est un instrument qui favorise le mensonge. Simu ya mkono na kwa chombo ya kuingia tu uongo leo. Où est-ce que tu es? Je suis à la maison alors que tu es au marché. Uko wapi? Niko nyumbani japo uko msoko. Ce sont les instruments du diable. Ni vyombo vya ibilisi. Pour vaincre toutes ces choses-là, kushinda hivi vitu vyote, il faut naître de l'Esprit de Dieu. Inabidi kuzaliko toka roho ya Mungu. Il faut être un enfant de Dieu. Inapendeza kuwa mtoto wa Mungu. Un enfant de la promesse. Mtoto wa adi. Oh, bien-aimés frères et sœurs. Ay, watoto wa ndugu na wadada. Bien-aimés frères et sœurs. Wapendwa ndugu na wadada. Frère madame dit ceci. Ndugu mama anasema hivi. Que Dieu, Jésus nous a donné l'arme la plus puissante. Ya kwamba Yesu alitupatia silaha ya uwezo kabisa. Satan. Yenye tamshinda shetani. N'importe où. Pahali popote. N'importe quand. Wakati yote. Et dans n'importe quelle circonstance. Na kumbela tukio izuri yote. Qui connaît l'arme que Dieu nous a donnée pour vaincre? Nani anajua silaha yenye Mungu alitupatia kwa kushinda? Qui peut citer cette arme? Nani anaweza kutaya ile silaha? La parole de Dieu. Neno la Mungu. Le message. Ujumbe. Vous savez que Jésus avait vaincu Satan avec la parole. Mon adieu, comme Jésus le mouchin de Satan et Naneno. Et Satan connaît aussi la parole. La Satan n'a rien à dire. Il lui disait, il est écrit. Alors quand on m'a dit, Et Jésus répondait aussi, il est aussi écrit. Il m'a dit quoi, Pia? Il est écrit, il est aussi écrit. Il est écrit. Et finalement, Satan n'avait plus d'arguments. Satan a squatté dans la Il a été vaincu. Bakamushinda.
Si vous voulez vaincre Satan, kama unapenda kumshinda shetani, prenez le message. Chukua ujumbe. Aimez le message. Penda ujumbe. Méditez sur le message. Fikiri pa ujumbe. Soyez un avec le message. Kuwa moja na ujumbe. Moïse avait dit à Josué, Musa alimwambia Yoshua, que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. Hii kitabu kya sheria kishondoke kinywani mwako. Amen. Amina. Amen. Amina. Et frère Baram nous a dit, na ndugu anatuambia, dites ce que disent les bandes. Semeni mpaka vile makandi mesema. Il dit, croyant de partout. Anasema waamini famali popote. Écoutez attentivement. Sikilizeni na sikilivu wote. Lisez le message. Someni ujumbe. Écoutez le message. Sikilizeni ujumbe. Gardez précieusement ce message. Mulinde ukiwa tu ujumbe ya damani. Alors vous aurez du succès dans toutes vos entreprises. Pale mutafaulu makazi zote mtakapofanya. Alors vous vaincrez Satan. Pale mtamshinda shetani. Quand Satan viendra. Wakati Satan atapokuja. Il va te proposer une mode. Atakuonesha tu namna kisasa. Une robe transparente. Kando tu yakonekana. Il va regarder la parole. Unaangalia neno. Qu'est-ce que la parole de Dieu dit? Et tu nenu nasema nini? Pourquoi est-ce que nous portons? Dieu nous tunafa. C'est pour cacher les corps. Dieu kufutika mwili. Mais cette robe ne cache pas les corps. Hii kando ifutika mwili. Ça, ce n'est pas pour une fille de Dieu. Isali tu habitu wa Mungu. On t'offre une chemise. Bana kupatia sheti moja. Vous portez. Inyo unavaa. Tous les saints sont à découvert. Maziba yote ko wazi. Qu'est-ce que la parole de Dieu dit? Neno linasema nini? Une fille de Dieu. Binti wa Mungu. Doit s'habiller décemment. Anapaswa kuvaa manguo ya kushuka. Tu n'es pas une prostituée de la rue. Wewe si kahaba wa barabara. Tu es une fille de Dieu. Wewe ni binti wa Mungu. Si y a des gens. Kama kuku watu. Qui s'habillent bien. Wewe unapaswa kuvaa mzuri. Ce sont des fils et des filles de Dieu. Ni wana na wana binti wa Mungu. Amen. Amina. Alors il dit, anasema, dans le message de conflit entre Dieu et Satan. Mujumbe fitina katikati ya Mungu na Shetani. Il dit, anasema, au paragraphe 60. Kipindi makumi sita. Mais Dieu, lakini Mungu, dès le commencement, tokea mwanzo, il a donné à ses enfants, akawapatia watoto wake, l'arme atomique. Ki sila ya kombora. L'arme atomique. Sila ya kombora. Parce qu'il est le Dieu infini. Kwa sababu yeye ni Mungu bila mwisho. Alors en voyant qu'il y aurait un conflit. Na mukona kwamba kutakuwa fitina. Et qu'il y aurait une bataille. Kutakuwa vita. Dieu avait vu cela avant de commencer. Mungu alitangulia kuona hii kabla ya mwanzo. En voyant qu'il y aurait un conflit. Mukona kwamba kutakuwa fitina. Qu'il y aurait une bataille. Kutakuwa vita. Dieu a équipé ses enfants. Mungu aliwavisha watoto wake. Avec les munitions. Na vyombo. Qu'il fallait. Vyenye bilistahili. Le moyen d'attaque qu'il fallait. Na muna ya kushambulia shetani. Il les a pourvus de tout ce qui leur fallait. Alitarisha vyote vilipendezwa kwa nabio. Pour leur permettre de parcourir tous les chemins. Dieu kubaruhusu wapate kupika kutembea njia mzima. De l'Eden. Toka Edeni. Jusqu'à l'enlèvement. Mpaka na mkunyanuliwa. C'est frère Barman qui dit ça. Ndiko mwanadamu anasema hivi. L'arme que Dieu a donné à ses enfants. Sila yenye Mungu anapatia watoto wake. Ni sila moja moja. Qui va leur permettre. Yenye itawaruhusu. De parcourir le chemin. Kutembea munjia. Depuis l'Eden. Toka Edeni. Jusqu'à l'enlèvement. Mpaka na mkunyanuliwa. Amen. Amina. Alors il dit, anasema hivi. Qu'est-ce que c'était? Il quoi nini? C'est quoi cette arme? Qu'est-ce que ici là ni nini? C'est la parole. Ni neno. C'est la parole de Dieu. Ni neno la Mungu. Voilà ce qui vainc Satan. Odeni kine kumshinda shetani. La parole de Dieu. Neno la Mungu. C'est ce qui le vaincra. Dieu il est ta mushinda. N'importe où. Pali popote. En tout lieu. Mali yote. Amen. Amina. Vous voulez avoir une victoire. Unapenda kupata ushindi. Sur Satan. Mbele shetani. Prenez l'arme atomique. Chukua silaha ya kombora. La parole de Dieu de votre âge. Neno la Mungu ya kizazi chako. Le message pour votre âge. Ujumbe ya wakati yako. C'est ça qui vaincra Satan. Ndio ile itamshinda shetani. N'importe où. Pali popote. N'importe quand. Na wakati yote. Na n'importe quelle circonstance. Na kumbela tukio yoyote. Amen. Amina. Amen. Amina. C'est pourquoi Jokomana, ceux qui ont la victoire bale benye kona ushindi, ce sont ceux-là qui peuvent louer le Seigneur. Jo bale banoezi kumusifu Bwana. Quand vous avez la victoire, wakati kuna ushindi, c'est en ce moment-là que vous pouvez louer le Seigneur. Pale utamusifu Bwana. Nous voyons les enfants d'Israël. Tunaona watu wa Israeli. Quand ils sont sortis wakati walitoka, de l'Egypte, Misri, dans le premier exode, mu kutoka kwa kwanza, ils allaient. Balikuwa naenda. Ils étaient sur la ligne du devoir. Balikuwa munjia ya paswa. Il y avait beaucoup d'obstacles. Kulikuwa vizuizi nyingi. L'armée de Pharaon les pourchassait.
pièce ya Pharaon, il quoi nawafukuza. De part et d'autre, il y avait des montagnes. Ngambo na ingine kulikuwa milima. Devant eux, il y avait la mer rouge. Kumbele kulikuwa bahari mwekundu. Ils savaient quoi faire. Aba kujua cha kufanya. Mais Dieu leur avait donné la victoire. Lakini Mungu akawapatia ushindi. Dieu avait ouvert la mer rouge. Mungu alipasua bahari mwekundu. Bakavuka kumikuka ukauka. Ils ont traversé. Wakati walivuka. Et qu'ils ont vu leurs ennemis être engloutis. Na kuona adui zao inakutumbukiza mumaji. Miriam avait pris le tambourin. Jo pale Miriam akachukua ngoma. Et avait commencé à louer le Seigneur. Akaanza kumusifu Bwana. Pourquoi? Dieu a nini? Tous nos ennemis sont tombés. Maadui zetu yote walianguka. Nos ennemis sont tombés dans la mer. Maadui zetu wanaanguka katika bahari nyekundu. Nos péchés sont engloutis. Zambi zote mezamishwa. Nos vieilles habitudes sont englouties. Tabia ya zamani yote mezamishwa. Et pourquoi nous louons le Seigneur? Jo kama tunamusifu Bwana. Parce qu'il nous a délivrés. Basi Bwana alitomboa. Nous louons le Seigneur. Tunamusifu Bwana. Parce qu'il nous a donné la victoire. Anatupatia ushindi. Nous louons le Seigneur. Tunamusifu Bwana. Le salut. Anatupatia wokovu. Le salut c'est son œuvre. Wokovu ni kazi yako. Notre bonne santé c'est l'œuvre du Seigneur. Yote ni kazi ya Bwana. Tout ce que nous sommes c'est par ta grâce. Yote tu ni kupitia neema yake. C'est pourquoi il faut louer le Seigneur. Jo kwa maana napendeza kumsifu Bwana. Amen, amen, amen. Amina. Amen. Amina. Je lis les prophètes. Namsoma nabii. Je vais bientôt terminer. Ntamaliza muda si muda. Dans le message le retour et le jubilé. Ujumbe kurudi na yubile. Bwana me dit. Ndugu mama anasema. L'église est maintenant comme Israël. Kanisa iko sawa Israel sasa. L'église ressemble à Israël. Kanisa nafanya na Israel. Lorsqu'ils sont sortis de l'Égypte. Wakati walitoka Misri. Lorsqu'Israël était là-bas en Égypte. Wakati Israel alikuwa kule Misri. Dieu dans sa merveilleuse grâce. Mungu kupitia neema yake adamu. Sans aucune organisation. Bila tengenezwa hata moja. Ni rien d'autre. Hata chochote. Appela Israël à sa prospérité. Akaita Israeli mukustawi kwake. Il les appela à leur héritage. Alibaita muriti wao. C'est comme nous. Ni sawa sisi. Il dit l'église est comme Israël. Anasema kanisa iko sawa Israeli. Israel était en Egypte. Israel walikuwa Misri. Nous aussi nous étions dans le monde. Sisi pia tulikuwa mdunia. Nous étions dans le péché. Tulikuwa mzambi. Nous étions dans les traditions. Tulikuwa madesturi ya mchakwetu. Mais Dieu par sa grâce. Lakini Mungu kupitia neema yake. Nous a appelé. Anatuita. À quoi? Kunini? À notre prospérité. Mukustawi kwetu. Il nous a appelé à notre héritage. Anatuita mukustawi kwetu. Si nous sommes enfants de Dieu. Kama sisi ni watoto wa Mungu. Nous avons un héritage. Tuko na urithi. Qui croit qu'il a un héritage? Nani anaamini kwamba kuna urithi? Dieu nous a donné un héritage. Mungu anatupatia urithi. La vie éternelle c'est notre héritage. Uzima wa milele ni urithi wetu. La bonne santé c'est notre héritage. Afya njema ni urithi wetu. Le ciel est notre héritage. Mbingu ni urithi wetu. Amen. Amina. Ils les appellent à leur prospérité. Ils les appellent à leur héritage. La grâce leur donna un prophète. Neema, il va partir nabi. N'oubliez pas que Moshisawa Yakomba, il a commencé par dire kusema, l'église est aujourd'hui comme Israël. Kanisa iko sawa Israël leo. Je veux que nous puissions le répéter. Napenda tupate kurudia. Dieu Mungu est le souverain sacrificateur ni mkuani mkuu de notre confession. Wa kukiri kwetu. Ce que vous dites là, kile huku nasema kile, c'est ce que Dieu t'accorde. Jo kile Mungu anakupatia. Amen. Amina. Je voudrais que nous soyons attentifs alors que nous terminons. Nipenda kuwa na usikilifu wakati tunamaliza. Amen. Amina. Amen. Amina. Dieu Mungu leur donna un prophète. Akawapatia nabii moja. Nous allons répéter, Dieu nous a aussi donné un prophète. Tutasema nasi pia Mungu anatupatia nabii. L'église est comme Israël. Kanisa iko sawa Israeli. Dieu leur donna un prophète. Mungu aliwapatia nabii. Mungu anatupatia nasi nabii. Je n'ai pas bien entendu. Sisikie vizuri. Dieu leur donna un prophète. Mungu aliwapatia nabii. Mungu anatupatia nasi pia nabii. Amen. Amina. Dieu leur donna la colonne de feu. Mungu aliwapatia nguzo la moto. Mungu alitupatia nasi nguzo la moto. Et vous croyez que la colonne de feu est au milieu de nous? Eh, tumeamini kwamba nguzo la moto ni katikati yetu. Répétons-le. Turudie basi hiyo nasema. Dieu leur donna la colonne de feu. Mungu aliwapatia nguzo la moto. Mungu anatupatia nguzo la moto. Dieu leur donna un agneau. Mungu aliwapatia mwana kondoo. Si donné un agneau. Mungu anatupatia nasi pia mwana kondoo. L'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde, c'est Jésus. Mwana kondoo Mungu mwenye kondoo zambi ya ulimwengu. Amen. Amina. La grâce leur donna la puissance. Neema iliwapatia uwezo. La grâce leur donna aussi la puissance. Neema inatupatia nasi uwezo.
Est-ce que vous croyez que la puissance est dans l'église? La grâce leur donna la délivrance. La grâce leur donna aussi la délivrance. La grâce leur donna la victoire. La grâce leur donna la victoire. Amen, 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 amen. Amen. J'ai lu un passage, nous allons nous lever pour parler au Seigneur. Vous voyez tout ce que nous avons. Si vous êtes enfant de Dieu, vous êtes né pour être un vainqueur. Si vous êtes toujours vaincu, c'est que vous n'êtes pas encore né. Cherche la nouvelle naissance. Dis Seigneur. C'est ma boîte. Je suis né. Mimi nazali quoi? Je suis venu dans ce monde. Pour être ton fils. Dieu, pourquoi jusqu'aujourd'hui je ne suis pas encore ton fils? Je veux que ce soit quelque chose se passe dans ma vie. Na benda kitu fulani kitendeke maishani mwangu. Levez-vous. Simameni. Nous allons lire. Tout à soma. Frère Branham dit. Dans la foi, c'est notre victoire. Il dit, si vous avez un besoin, qui a un besoin? Levez la main. Il dit, si vous avez un besoin, n'importe quel besoin, n'importe quel besoin, ça veut dire quoi? Si vous avez besoin de l'argent, si vous avez besoin d'avoir un bon mari, si vous avez besoin d'avoir la dot pour vous marier, si vous avez besoin d'avoir du travail, si vous avez besoin d'avoir des enfants, si vous avez un besoin, n'importe quel besoin, Dieu, pour lequel Dieu a fait une promesse dans la Bible. Ambayo, Mungu alifanya adi katika Biblia. Votre besoin là. Nia yako iko pale. Vous voyez votre besoin? Unaona hitaji yako? Regardez la promesse par rapport avec cette besoin. Angalia adi yenye kuangaliana na ile hitaji kuna. Si vous avez n'importe quel besoin. Kama huko na hitaji yoyote. Pour lequel Dieu a fait une promesse dans la Bible. Ambayo Mungu alifanya adi mu Biblia. Dieu est ici ce soir. Mungu yupo hii joni hapa. Je vais entendre un grand amen. Napenda kusikia amina kubwa. Il dit, je reprends la citation. Narudia basi iluko. Si vous avez un besoin. Kama ukuna hitaji fulani. N'importe quel besoin. Hitaji yoyote. Pour lequel Dieu a fait une promesse dans sa Bible. Ambayo Mungu alifanya hadi katika Biblia yake. Il est ici ce soir. Eko hapa hii joni. Pour satisfaire à ce besoin-là. Tu ya kutimiza kuile itaje unayo. Je est ici ce soir. Mungu yupo hapa ijoni. Pour satisfaire à ton besoin. Tu ya kutosheka kuile itaje yako. Quel que soit le besoin. Aizuru itaje yoyote. Il dit. Anasema. C'est inutile de chercher plus loin. Nibure tu kwenda kutafuta mbali. Sa présence est ici. Uwepo wake ni hapa. Dites grandement amen. Sema amina kubwa. Sa présence est ici. Uwepo wake ni hapa. Son esprit est ici. Roho yake ni hapa. Et il est disposé. Na yeye ni tayari. Il est prêt. Eko karibu. Désirant. Mwenye kutamani. Ardemment. Na nia zote. Vous donner. Kukupatia. Que vous recherchez. Ile uko natafuta. Pourquoi attendriez-vous longtemps? Kwa nini ungojea muda mrefu? Bien-aimés frères et sœurs. Upendo ndugu na dada. Comme il avait fait pour Israël. Vile alifanya kwa Israeli. Il nous a donné un prophète. Anatupatia nabii. Il nous a donné la colonne de feu. Anatupatia nguzo la moto. Il nous a donné l'agneau de sacrifice. Anatupatia mwana kondoo wa dhabihu. Il nous a donné la victoire. Anatupatia ushindi. Il nous a donné la puissance. Anatupatia uwezo. Il nous a tout donné. Anatupatia vyote. Si vous avez besoin. Kama uko na hitaji. Parlez-lui maintenant. Umusemezea sasa. Wakati wanatumkuzia wimbo moja. Fil de temps,
J'entends les gens qui me disent né pour être des vainqueurs. Pourquoi vous allez quoi? Il pas de quoi, Sindadi. Nous sommes nés pour être des vainqueurs. Tu m'es allé quoi? Tu peux te quoi, Sindadi? Tu es né pour être un vainqueur. Vous n'avez allé quoi? Il pas de quoi, Sindadi. Jésus a dit comme moi j'ai vaincu, vous aussi vous vaincrez. Comme j'ai vaincu et me suis assis avec mon père sur son trône. C'est lui qui vaincra. Je me ferai asseoir avec moi sur mon trône. Allons-y, Kadi. Né pour être des vainqueurs. Vous allez quoi, il pas comme Sindadi. J'entends les gens qui me disent pourquoi ne voyons-nous pas les miracles d'autrefois? Je crois toujours en ces miracles, te réponds aux prières, car Dieu a toujours été Dieu et il est aujourd'hui. Dieu peut le faire encore, il est le même Dieu, il a toujours été hier et aujourd'hui, il demeure le même, il n'y a pas à douter, Dieu peut le encore, il est le même Dieu, il a toujours été hier et aujourd'hui, il demeure le même, il n'y a point à douter, Dieu peut le faire encore. Tu pries Dieu pour tes besoins, alors fais-lui confiance. Alléluia. Dieu l'a fait auparavant, il peut le faire encore. Son désir est beaucoup plus grand que tu ne pourrais le penser. Pour accomplir un miracle dans ta vie aujourd'hui, Dieu peut le faire encore. Il est le même Dieu, il a toujours été hier et aujourd'hui. Il demeure le même, il n'y a point à douter, Dieu peut le faire encore. Oui, Dieu peut le faire encore. Et encore. Il est le même Dieu. Il a toujours été. Même aujourd'hui, il demeure le même. Il n'y a point à douter. Dieu peut le faire encore.
Amen. Merci, Seigneur Jésus-Christ. Merci pour ton grand amour. Merci pour ta grande miséricorde. Merci pour cet appel de miséricorde que tu as adressé à chacun de nous en ce temps de la fin, Seigneur. Tu nous as appelés à cette lumière du soir pour faire de nous les enfants de lumière. Tu nous as appelés, Seigneur, pour faire de nous les enfants de la promesse du jour. Seigneur Jésus, nous t'avons présenté nos besoins et nous croyons que tu es ici. Ton esprit est avec nous, ta présence est avec nous, Seigneur. Comme tu avais dit, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. C'est pourquoi, Seigneur Jésus, nous croyons que tout ce que nous t'avons demandé, au nom du Seigneur Jésus-Christ, nous l'avons reçu, Seigneur. Et c'est pourquoi nous te disons merci. Merci, Seigneur Jésus. Merci pour l'exaucement de nos prières. Merci pour les prophètes que tu nous as donnés en ce temps de la fin. Merci pour la colonne de feu que tu as envoyée dans ton église. Merci pour l'agneau de sacrifice que tu nous as donné. Merci, ô Dieu, pour la victoire que tu nous as donnée. Merci, Seigneur Jésus. Reçois la gloire, reçois l'honneur, reçois la louange, l'élévation, l'exaltation. Que ton nom soit grandement béni. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse. Mungu awabariki. On peut continuer maintenant avec la louange. Amen. 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 Seigneur Jésus, aide-moi, aide mes frères et mes sœurs à ne jamais faire de compromis avec ta parole. Seigneur Jésus, pardonne nos insuffisances, que nous soyons ramenés à notre héritage. Nous voulons être des croyants vertueux, obéissants, des croyants pleins de foi. Et je crois que tu as exaucé cette prière, car nous l'avons demandé dans les noms qui est élevé au-dessus de tous les noms, dans les noms précieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen.